Salut à tous, les vampoules pensent à recruter Issa Diop de West Ham qui serait pas con. Le laisser partir pour compenser ses blessés. Milan envisage de recruter définitivement Diop qui est prêté par Manchester United. Stéphane Essaoui revient à la Roma après avoir évolué en Chine. Le Milan AC a tenté de recruter Soumaré du LOSC, mais il préfère terminer la saison avec Lille. Isco du Real Madrid veut partir. Saint-Étienne se renforce grâce à l'arrivée définitive de Pape Cissé pour un prêt avec option d'achat de 13 millions d'euros. C'est un défenseur central. Crasso, Jean-Philippe Crasso de Saint-Étienne va être prêté peut-être en national par Saint-Étienne. Lucas Hernandez, qui est sous contrat au Bayern Munich jusqu'en 2024, ne veut pas prolonger. Ronald Koeman ne veut pas laisser partir Junior Firpo. Gaïch est prêté par le CSKA Moscou à Benevento jusqu'à la fin de saison. Sana Simon se dirige vers Los Angeles Galaxy. Il évolue à Lens. Marcos Rojo va rejoindre les Boca Juniors. Le défenseur de Bordeaux, Jovanovic, est courtisé par Cadix, l'Étoile Rouge de Belgrade, Braga, Lorient et le Dynamo Moscou. Todibo est annoncé du côté de Nice pour un prêt avec option d'achat estimée entre 8 et 10 millions d'euros. Liverpool piste le défenseur Botman de Lille, Militao du Real ou encore Edric Conso de Aston Villa. Milan voudra recruter Douglas Costa. Milan piste Maja, l'attaquant de Bordeaux Maja. Et puis c'est par West Ham. Strasbourg pourrait recruter le défenseur Frédéric Guibert qui évolue du côté de Aston Villa qui a évolué à Bordeaux. L'attaquant Hulk devra retourner à l'Atlético Mineiro, il évoluait en Chine. Lingard est prêté jusqu'à la fin de saison à West Ham. Valence piste l'attaquant de Wolverhampton pour un prêt coutronné. Liverpool vise Aaron Long pour un prêt de 6 mois. Il négocie avec les New York Red Bulls. Kenny Lala de Strasbourg est attendu du côté de l'Olympiakos. Le latéral s'est mis d'accord avec la formation. Mbaye Diagne est prêté à West Bromwich Albion. Il évolue du côté de Galatasaray. Le LOSC va prêter Ousmane
Simbakoy à la balle, c'est un attaquant. Adrayoutou, Rachou est de retour à Villarreal. Il évolue à l'arrêt depuis le début de la saison. En Argentine, on estime que ce recrutement met fin à la piste Gonzalo Montiel. Le défenseur latéral gauche ancien, Nathan Ness, se dirige vers West Bromwich Albion. Il évolue à Arsenal. Southampton aussi est en lice pour l'accueillir. Philippe Suarez est dans le viseur de Monaco. C'est un milieu de terrain. Il évolue au Portugal à Moreirense. Il est aussi dans le viseur du FC Séville. Indiana Vassiliev est prêté à Aston Villa. Non, à part Aston Villa à Cheltenham jusqu'à la fin de saison. Southampton envoie son défenseur Jacques Vautier à Sunderland, mais il est sous contrat à Southampton jusqu'en 2024. Koulibaly s'en va à Erzurum. Il quitte Le Havre pour s'engager en Turquie. Enfin, Sofiane Chaka fille Arrêtafé est prêté par Villarreal. Arrêtafé. Enfin, Lautaro Martinez va prolonger avec l'Inter de Milan. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.